Salut les techniciens, c'est Hanslow, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez les gars, ça va super, ça va très très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode numéro 7 de notre série Skill en Force. Alors aujourd'hui un épisode assez particulier, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de défi. Donc voilà, je sais que dans les commentaires on m'avait dit parfois que je m'intéressais trop aux défis, que je faisais trop les défis et que... je proposais pas assez de beaux jeux. Enfin, c'est assez fun les défis, on propose aussi du beau jeu, mais moi personnellement ça me permet pas par exemple de marquer des buts assez jolis, même si c'est vrai qu'on en a marqué des pas mal hein, avec le coup du foulard, le but avec Buffon, c'était assez joli et assez marrant en même temps. Donc dans cet épisode on va vraiment se concentrer sur des beaux buts tout simplement. Donc alors j'ai modifié mon équipe brésilienne, comme vous le voyez on a tout simplement vendu Chicabala et Wellington Silva. Je remercie encore l'abonné qui m'avait dit le prix de Wellington Silva qui avait augmenté. En fait moi je l'avais acheté à environ 50 000 crédits et sur le marché il y avait un gros monopole de malade. Et en gros si vous voulez le prix il partait à environ 130 000 crédits. Du coup j'ai fait environ peut-être environ 80 000 crédits de bénéfice. Donc voilà, donc merci à toi, je pense que tu te reconnaîtras. Donc vraiment merci, ça m'a beaucoup aidé. Du coup en attendant de racheter Wellington Silva, j'ai décidé donc de modifier mon équipe brésilienne et cette fois-ci de partir avec que des Brésiliens. Donc on a Alan Zinho, la petite nouveauté ici. Donc voilà, on a aussi Julio César qui est présent ici. Donc j'ai aussi Diego Alves qui est dans mon club et j'ai aussi donc acheté Elton ici présent qui pourquoi pas fera son apparition durant le match à la place de Alan Zinho, parce que je sais que Alan Zinho j'aime pas trop. Donc voilà, si au cas où je l'aime pas trop et qu'il me plaît vraiment pas, j'ai Al Elton qui est présent ici pour pouvoir donc le remplacer. Donc les potes, trêve de blabla, on a aussi donc notre deuxième équipe hein, notre deuxième équipe de Skill en Force avec Chihraoui. Enfin bref, vous la connaissez, j'ai pas fait de changement sur celle-là. Donc voilà, je pense qu'elle est assez bien au niveau des gestes techniques, au niveau de la défense et au niveau du milieu de terrain. Il n'y a pas besoin de changer cette équipe. Et nous les potes, on va partir donc directement avec notre équipe brésilienne. Donc on va se retrouver tout de suite pour donc le premier match dès qu'on a trouvé tout simplement notre premier adversaire. Donc c'est parti les amis, j'espère que vous êtes chaud patate. Moi franchement je suis vraiment en forme et c'est parti les potes donc pour le premier match. Bon alors les potes, on a trouvé un adversaire. Je voulais aussi vous parler d'un truc qui m'est venu en tête. En fait je pense que la plupart le savent déjà, mais j'ai une seconde chaîne où je vous propose en fait des compilations de buts. Et sur cette chaîne en fait, si... waouh. Ok d'accord, j'ai vu Neymar et Bale, franchement là je suis un petit peu jaloux là, j'aimerais bien avoir Neymar aussi. Donc oui, par rapport aux compilations donc sur mon autre chaîne en fait, je pense faire aussi des compilations sur cette chaîne là. Donc voilà, je sais pas si ça vous plaira, dites-moi dans les commentaires si tout simplement vous avez envie de voir des compilations de buts sur la chaîne. Dites-moi vos avis par rapport à ça, j'ai eu l'idée en tête de pouvoir donc vous mettre ça donc en ligne sur la chaîne. Il y aura des buts je pense que vous connaîtrez déjà. Comme le coup du foulard hein, qu'on a mis dans Skill en Force, hein, c'est évident. Il y aura aussi peut-être des buts dans Glory Skill et il y aura aussi des buts où moi je les mets tout simplement tout seul dans mon coin. Donc je sais pas si ça vous fera plaisir. Dites-moi dans les commentaires hein, les amis si vous voulez tout simplement voir des compilations sur la chaîne. Ça peut être sympa, hein, je sais que vous aimez me voir jouer Skill. Donc je me suis dit pourquoi pas donc vous mettre des compilations où là par contre il y aura des buts. Donc voilà, ça pourrait être sympa. Après à vous de me dire hein, vos avis hein, comme d'habitude les potes. Je prends toujours vos avis en compte et c'est parti, donc on va tout simplement proposer du beau jeu comme d'habitude. Tac, ok d'accord, Vitinho qui est passé. Allez c'est parti, oh le Ronnie Wakaoka il est passé, oh là là ça a failli passer. On est tranquille, on commence bien là, on commence à bien proposer notre beau jeu, le petit Ronnie Wakaoka qui est passé tranquillement. Donc on commence bien ce match. Cette équipe me plaît vraiment beaucoup, elle a l'air vraiment pas mal. Je vous conseille les deux milieux défensifs, Luis Gustavo et comment il s'appelle, et Felipe Melo, qui sont vraiment très très bons. Je pense que c'est les deux meilleurs au niveau du prix. Au niveau du prix, ils sont pas chers. Hein. Si vous n'avez pas les crédits pour Ramirez, donc le joueur de Chelsea, ou alors Fernandinho, le joueur de Manchester City, je vous conseille donc ce genre de joueur. Il y a aussi Fernando à Manchester City, donc qui a été transféré il y a pas très longtemps. Enfin, il y a quoi, il y a 2-3 mois peut-être. Il était au FC Porto il y a même pas 2 mois. Mais franchement, c'est une bonne équipe, pas trop chère. Donc si vous avez les crédits pour la faire, hein, je vous la conseille. C'est une bonne petite équipe brésilienne avec quelques gestes techniques, enfin avec quelques techniciens. Hein. Donc voilà, donc ça pourrait être sympa de vous la faire hein, si vous avez les crédits pour. Franchement, le prix, je sais pas du tout. C'est vrai que Marcelo, il est un petit peu cher. Je l'ai acheté 20 000 crédits, donc si vous enlevez Marcelo, je pense que l'équipe doit coûter peut-être, à tout casser, 40 000 crédits. Vu que Vitinho, lui aussi, coûte environ 20 000 crédits. Moi, personnellement, j'ai dû l'acheter peut-être, franchement, merde. Qu'est-ce que je fais? Heureusement que Julio César il est là. Julio César plutôt. Mais ouais, l'équipe elle doit coûter peut-être 50 000 crédits à tout casser.
Qu'est-ce que tu fais, Ronaldinho? Je sais pas où il est parti, Ronaldinho, là. Allez, go. Hop. Ok, d'accord, j'ai raté. Hop. C'est pas grave, on continue. Tac. Tac. Ok, ça marche pas. On va faire un petit centre en coup du foulard. Malheureusement, il y a personne. C'est pas magnifique ça les potes, c'est pas magnifique, magnifique but de Vitinho qui a dribblé pas mal d'adversaires. J'ai vu que son gardien il sortait, donc je me suis dit soit je fais un lob parce que la balle elle rebondissait, soit j'essaye de dribbler les gardiens. Magnifique arc-en-ciel avancé, hein, c'est le deuxième niveau d'arc-en-ciel, il y a l'arc-en-ciel normal et l'arc-en-ciel avancé. Et là le petit lob qui lob courtois tranquillement, donc voilà, ça fait toujours plaisir hein, un petit but comme ça tranquillement. On va continuer à marquer ce genre de but, j'espère que vous allez kiffer, hein, tout simplement. Moi je kiffe, franchement je kiffe, j'aime bien cette équipe, c'est le premier match que je joue avec cette équipe. Et comme d'habitude, moi je kiffe cette formation. Cuadrado, il est content, le petit technicien il est content, il y a même Buffon qui est content. Donc voilà, c'est tranquille, Vitinho, magnifique but. Et on va continuer tout simplement, on va continuer. Ok, mon adversaire qui essaye de faire un arc-en-ciel tranquillement. Ok, mon adversaire qui décide de quitter la partie. C'est dommage, donc ouais d'accord, ça marche. Bah écoutez les mecs, on va refaire deux autres matchs, on dominait vraiment ce match, c'est dommage, franchement c'est dommage. On va revoir le but de Vitinho qui est ici présent, tac. Donc le petit dragback, le petit flic, là j'attends un petit peu que mon adversaire il me presse. Pourquoi? Tout simplement parce que j'allais faire tout simplement un arc-en-ciel avancé. Du coup j'ai bien attendu que ce joueur là, ici là, juste lui là, il arrive. Du coup, tac, je fais l'arc-en-ciel avancé et là j'ai un petit peu d'espace, j'ai même beaucoup d'espace. Mon adversaire qui décide de sortir courtois, il n'aurait pas dû, donc en fait je voulais dribbler les gardiens, mais en fait j'étais dans un angle assez fermé et je pouvais pas en fait dribbler les gardiens avec un ball roll à ce moment-là. Du coup, je l'ai vu qu'il s'est avancé tranquillement, je me suis dit bah écoute, nous aussi on va y aller tranquillement et on fait un petit lob, assez joli but je trouve. J'espère que vous avez kiffé les potes, on va se retrouver directement pour le deuxième match et puis je pense qu'on fera un troisième match parce qu'on est des fifous tout simplement. Donc c'est parti les potes pour la recherche de notre deuxième adversaire. Allez go, deuxième match, on va y aller avec ce maillot là. J'ai gardé la même équipe, hein, j'ai gardé la même équipe brésilienne. Alors contre qui on va jouer cette fois-ci? Contre une... Oula, c'est un mélange de Serie A et de Ligue portugaise. Je crois que c'est Pizzi le... Non, c'est pas Pizzi, non, qu'est-ce que je raconte? C'est qui l'attaquant gauche? Il joue au Benfica, mais c'est qui? Je l'avais déjà vu sur le marché, mais je me souviens plus de son nom. Enfin bref, si vous le savez, les potes, dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense que quand j'aurai fini la vidéo, j'irai tout simplement le rechercher, parce que sinon, ça va me... L'idée va me rester dans la tête, et il va falloir que je connaisse son nom, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, je sais pas, c'est quand j'oublie un truc, par exemple, faut absolument que je me rappelle. Si je me rappelle pas, je vais chercher pendant 15 000 ans, jusqu'à que je me rappelle, tout simplement. Donc c'est parti. Ronaldinho, directement, hop. On fait... Tac. Oh, dommage. Qu'est-ce qui se passe? Me dis pas qu'il va quitter. Magnifique. Magnifique tacle. Allez, on continue les potes. Un adversaire qui défend très très bien. Ça va être compliqué de le dribbler. On va quand même essayer. Allez, on va tirer. Ok, d'accord. Les frappes de loin, c'est vraiment très très dur. Je pense que voilà, on va tuer encore une fois beaucoup de pigeons dans cet épisode. Mais bon, si on entente... comme ça, ça va pas trop le faire, on va essayer de mieux cadrer cette fois-ci. Vitinho, qu'est-ce qu'il fait là? Vitinho qui arrive à passer. D'accord, ça marche. Ah, il sait ce que je vais faire, hein. Il sait vraiment ce que je vais faire. Par contre, il est pas très fort en attaque. Heureusement qu'on a une bonne défense brésilienne là. J'aurais peut-être pu acheter Thiago Silva aussi, mais j'ai voulu garder mes crédits, on sait jamais si son prix baisse. Que le marché il est un petit peu bizarre en ce moment, je sais pas ce que vous en pensez, mais même sur PlayStation, les prix sont assez chelous. Bon, c'est vrai que les prix sont différents entre PlayStation et comment dire, Xbox. Il fait déjà technique, c'est plutôt pas mal. Remarque, il a Quaresma, c'est un petit peu normal. Et play, tu passeras pas. Allez, à notre tour. À notre tour, les potes. On va faire quelque chose. Tac, tac. Ok, reviens bien en défense, hein. Il revient bien en défense, hein. Allez, Douglas Costa, là, tu passes, mais non, tu passes pas. Toi aussi, tu passes pas. Oulala, doucement, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui veut la balle? Alain Zinho, bah tiens.
Ok, il est pas passé, c'est pas grave. Il arrive à tenir, quand même, il arrive à tenir. Par contre, là, il sait très bien défendre. Il m'attaque pas, il attend que je réalise mes gestes techniques, et ensuite, il me prend la balle. Mais moi aussi, je sais bien défendre sur les gestes techniques, donc ça va être un match assez serré des deux côtés. Et c'est la fin de la première mi-temps. Donc un match assez serré, hein. Vraiment très très serré. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette première mi-temps. Je pense que c'est un très bon adversaire. Il va nous donner du fil à retordre au niveau des gestes techniques. Lui aussi nous propose du beau jeu, donc ça peut être pas mal, ça peut être amusant. Donc c'est parti les potes pour la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que c'est dur de le dribbler? C'est vraiment très dur, c'est vraiment très dur. Il a vraiment un bon niveau là. Ça va être compliqué. Il m'attaque pas, hein, vous avez vu, il m'attaque pas. Hein. Du coup, on va tirer. Ouais, il m'attaque pas, je tire assez... Voilà, c'est très très moche comme tir et ça va être compliqué comme match. Moi, j'aime bien ce genre de match, mais c'est vrai qu'après, pour vous, c'est pas très amusant. Bon, vous me voyez un petit peu galérer contre un adversaire qui est vraiment très très bon. Au niveau de la défense, allez, on est passé là, on est passé par contre là, on est passé, allez, allez go, allez, ah c'est très très chaud, hein. C'est très très chaud, hein. Vous voyez bien comment il presse mes joueurs, il attend vraiment que je réalise mes gestes techniques et ensuite, il voit qu'il peut prendre la balle, lui par contre il fait beaucoup de berbaspin là, ça doit être peut-être un fan de, par contre tu vas où, doucement, doucement quand même, doucement. On aime bien les gestes techniques, mais la vitesse, c'est pas trop encore ça. Hein. J'arrive pas, les amis, j'arrive pas. Hein. Il défend bien, franchement, il veut vraiment pas qu'on marque. Hein. Bon, c'est un petit peu normal. Hein. Mais c'est vraiment compliqué. Hein. J'essaie même de faire des gestes techniques que je fais pas d'habitude, et il arrive quand même à me reprendre la balle. C'est vraiment bien de jouer de sa part, hein. Franchement. Ça fait longtemps que j'ai pas joué contre ce genre d'adversaire qui sait vraiment très très bien défendre, même sur les gestes techniques. Ça fait plaisir. Bon, même si c'est un petit peu compliqué après pour passer ses adversaires, c'est vraiment très très sympa. Oh là là, dommage, je voulais faire une reprise de volée ou quelque chose comme ça, bon... Le but est, on va dire, est bien. On va dire, il est bien. Le centre en coup du foulard, c'est pas mal. Mais Ronaldinho, il aurait dû frapper directement. Je ne sais pas pourquoi il a contrôlé. J'aurais dû être peut-être plus rapide pour appuyer sur la touche de tir. Mais en tout cas, c'est un but, on va dire, ouais, tranquille. On va dire tranquille. On a un petit peu dribblé avec Alanzinho. Ensuite, on s'est créé un petit peu d'espace donc sur le côté et puis on a centré en coup du foulard. J'aurais préféré franchement une retournée ou même une volée plutôt qu'un contrôle et ensuite une frappe. Mais bon, c'est pas très grave. C'est quand même un but, hein. C'est quand même un but, on va pas cracher dessus. Oula, oula, il y a une petite faute là. Bien sûr, l'arbitre, bien sûr. Un petit carton, s'il vous plaît. La biscotte au beurre. Bah ouais, on kiffe ça, la biscotte au beurre. Tout à l'heure, en plus, on a vu la biscotte à la framboise, hein, carrément. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, Ronaldinho, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le jongleur avec sa tête et tout. C'était un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Eh, il va marquer avec son goal. Ah non, dommage. J'aurais bien sorti mon gardien aussi s'il allait sortir son gardien. Par contre, là, le berbaspin, il me l'a mis dans le vent. Hein. Il me l'a mis dans le vent. Il va centrer, je pense, que ce de Rossi. Il peut pas faire de berbaspin. Et c'est fini. C'est fini. Ok, d'accord. Bon, on gagne ce deuxième match aussi. Hein, 1-0. Avec un but pas très joli. Hein. Enfin. Ouais, il est bof, il est bof, il est tranquille, on va dire il est tranquille parce qu'on a bien dribblé avec Alanzinho et ensuite on a centré en coup du foulard. Malheureusement, le but de Ronaldinho, j'ai pas trop apprécié en fait le contrôle. S'il aurait fait une volée directement, ok, mais vu qu'il a contrôlé la balle et ensuite tiré, j'ai pas trop kiffé. Mais bon, le principal c'est qu'on est dribblé un petit peu avec Alanzinho, on va voir tout de suite d'ailleurs, tac. Ici on a bien dribblé, tac, on va juste rapprocher la caméra.
Boom, ensuite le scoop turn, on arrive ici, on fait la petite roulette suivi du coup du foulard. Tac, magnifique. Et là tu vois j'aurais vraiment voulu qu'il tire directement du pied droit, qu'il fasse un truc, une volée, une retournée ou tout ce qu'il veut. Malheureusement il contrôle du pied gauche et il tire aussi du pied gauche. Bon certes c'est un but comme les autres mais bon. Donc alors je vous ai promis un troisième match les potes, et bah c'est parti, on va se faire tout simplement un troisième match avec notre deuxième équipe. Donc c'est parti les potes, on se retrouve donc dès qu'on a trouvé un adversaire. Alors on a trouvé le troisième adversaire les potes, Beast, ok d'accord. Donc on va jouer comment C'est un petit peu chaud là, on va jouer comme ça, hein. C'est pas grave. Espérons que les maillots, il y aura une petite différence quand même, je pense que oui, hein, évidemment. J'aime beaucoup son logo là, le logo en mode Jaguar, donc FC Beast, d'accord, ça marche. Il a du Lacazette, il a du Douglas Costa devant, d'accord, il a Bernard qui a perdu ses 5 étoiles de geste technique, il a un peu de Brésilien quand même. Lucas, David Luiz, Diego Alves, Miranda. Ok d'accord, il a une équipe assez différente. Pas encore au niveau du collectif, il a pas encore tout parce que Lacazette il se balade un petit peu au milieu de tous ces joueurs brésiliens. En tout cas on va comme d'habitude essayer de marquer un beau but tranquillement. Donc j'ai pris ma deuxième équipe hein, avec Cuadrado etc. Donc on verra bien ce que ça va donner. Si vous kiffez ce qu'il en force les potes comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit j'aime hein. Sans j'aime ça me ferait super plaisir les amis. Et c'est parti, nous on est là tranquillement pour le skill. Allez go dépaille, tac. On est tranquille, boum c'est parti on commence déjà. Oh là là, vous avez vu ou pas les potes? Est-ce que vous avez vu? On a failli marquer encore une fois un coup du foulard. C'était vraiment très chaud. Hein. C'était vraiment très chaud. C'était passé pas très loin. Heureusement que son gardien était là. C'était notre ami Chihaoui là qui est chaud patate aujourd'hui là. Dommage. Il est pas passé mais il veut encore la balle. Hein. Il veut encore la balle. C'est parti. Tu veux encore la balle? Et bah prouve-nous un petit peu que. Oh là là, ça y est, tu te sens plus là. Oh là là. Oh là là. Oh dommage, oh dommage, oh dommage, ça aurait été plutôt joli, ça aurait été plutôt sympathique là. On a dribblé un petit peu dans la surface de réparation, c'était un petit peu dangereux. Allons continue les amis, Cuadrado t'as pas eu trop la balle là, durant cette première mi-temps. Ah, qu'est-ce que tu vas faire, allez, propose-nous un truc là. Ok t'es passé, le centre en coup du foulard, la retournée, malheureusement y'a personne, vas-y dépaille, tu cours, elle sort pas, voilà, tu revois la balle, voilà, tac, après on fait ça, boum. Oh là là, il a pas compris. Oh là là, oh mince, dommage. Oh dommage, ça a failli passer, c'est pas grave. Allez les potes, c'est parti. Eh les potes, putain j'ai flippé, j'ai cru qu'on allait marquer. Le petit Chesfi qui est passé, nickel. Et ensuite, la retournée demi-volée chelou, là, et la claquette du gardien adverse. Qu'est-ce qu'il... Pourquoi il gueule des pas? Il est fou, lui. Il voulait la balle. Et là, on va tenter la retournée. Tac. On va la mettre juste là-bas. Ensuite, on va la remettre dans le box. Ok, d'accord, c'est complètement raté. On a complètement foiré, les potes. Ah, on a complètement foiré, là. Même lui, il se foire au niveau des dégagements. On récupère la balle. Oh merde, oh le bâtard, oh l'enfoiré d'arbitre, il laisse même pas finir l'action. Bon c'était pas mal, on a terminé cette première mi-temps assez joliment, si je peux dire ça comme ça. Avec notamment le chest flick de Cuadrado et suivi de la volée retournée, demi-volée, chelou, assez joli aussi à voir. Donc on se débrouille plutôt pas mal dans cette première mi-temps, on a quand même beaucoup de possession, là 65%. Donc ouais, on a beaucoup la balle, donc on va essayer de façon de conclure avec un joli but. On a failli conclure à deux reprises avec le coup du foulard, avec le chest flick. Et on continue les potes, on continue à la recherche d'un but assez joli, assez magnifique et assez improbable, on peut dire ça comme ça, assez improbable. Donc bref, c'est parti les potes pour la deuxième mi-temps. Oh non, j'hallucine, on a failli marquer un but assez joli. Même si après il y avait le gardien à battre. On a franchement géré, on a fait le coup du sombrero et tout. C'était plutôt pas mal. Oula, attention, magnifique passe, vas-y sors Buffon. Buffon, qu'est-ce que tu fais? Je dégage à chaque fois et il dégage pas, merde.
Hey Buffon, je vous promets, c'est un technicien en fait. C'est un technicien au fond de lui. Il sait que c'est un technicien. Il sait qu'en fait il a 5 étoiles de geste technique. Il sait qu'il fait des sombreros et tout le bordel. Un Buffon. Rien à ça. Il veut aller devant. Il veut marquer encore une fois. Il veut marquer l'enfoiré. Ah là là. Bon, mon adversaire qui marque un petit but là. Assez. Franchement, un but super joli. Franchement, y'a rien à dire. Non, je déconne. Un but assez. Assez, on va dire, dans l'ensemble de ma faute en fait. Hein. Parce que Buffon, voilà, un Buffon qui veut se transformer en technicien comme d'habitude. Vous savez quoi? On va lui donner la balle directement et on va voir si ça vaut le coup. On va voir si ça vaut le coup tout de suite. Par contre, j'ai un petit peu tiré trop fort, non, ça va. Donc c'est parti, on va voir si ça vaut le coup. Ok, ça vaut pas le coup. Buffon, tu dégages. Oh là là, j'ai failli, hein. Ah, dommage, les amis, dommage. J'essaie vraiment de marquer une retournée, mais je pense que je vais essayer de tirer la prochaine fois que j'ai de l'espace. Ah, ça passe à côté, le coup du foulard. Eh, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais on a trop d'occasions pour marquer un coup du foulard, malheureusement. Soit ça passe juste à côté, soit le gardien l'arrête. Décidément, on n'a pas beaucoup de chance dans cet épisode. On aurait peut-être dû marquer un but, j'aurais peut-être dû tirer, je sais pas. Bon, les potes, on a perdu ce troisième et dernier match, c'est pas très grave. On a failli marquer des coups du foulard dans cet épisode, hein, comme je le disais. Malheureusement, on n'a pas su les conclure. Mais bon, j'espère que vous avez kiffé, ça change un petit peu des défis où là, je m'amusais un petit peu plus, on va dire. Même si les défis aussi, c'est très marrant. Mais si vous voulez, en fait, quand il y a un défi, je suis un petit peu à fond dans le défi, vraiment dans le défi, et je fais que ça. Du coup, certes, c'est un petit peu saoulant, ça vous saoule un petit peu parfois. Et du coup, pour cet épisode, j'ai décidé tout simplement de vous faire un épisode pas vraiment spécial, étant donné que c'est un épisode en fait comme les autres, mais un épisode tout simplement sans défi, histoire de nous amuser un petit peu à faire des gestes techniques. On a fait plutôt des bonnes choses, hein. On a fait un chest flick avec Quadrado, on a fait des coups du foulard, on a marqué aussi un beau but dans le tout premier match où on a fait rush kick quelqu'un avec Vitinho. C'était plutôt pas mal, un épisode assez complet, même si on n'a pas marqué le but qui on va dire nous fait, je sais pas, qui nous fait avoir des frissons, tu vois, le but genre le coup du foulard, etc. Mais bon, pourquoi pas dans le prochain épisode, les potes. J'arrête pas les défis, hein. Vous pouvez toujours me proposer vos défis dans les commentaires, hein, vous inquiétez pas. Donc si vous avez des défis à me proposer, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires, hein, vous inquiétez pas. Je fais toujours des défis. En tout cas, les potes, on va cesser là-dessus. J'espère vraiment que vous avez kiffé cet épisode, un épisode assez complet, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis nous, on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, les potes, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, 100 j'aime, ça me ferait super plaisir. Et en plus, on a une déconnexion au moment où je fais l'intro direct. Ok, d'accord, ça marche FIFA. De toute façon, je m'en fiche un petit peu, on n'est pas là pour gagner. Enfin bref, les potes, on va se dire donc à demain. Comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est très important. Hein, et n'oubliez pas notamment de chausser vos crampons. Et puis nous, on se dit à demain. Ciao, ciao les amis.